Ouais, c'est Riser. Donc, alors, avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner. Enfin, désolé si c'est Samir, hein. Activer la petite cloche de la notification et tu vas dans les paramètres pour voir si tout est activé. Allez, bon visionnage. Wesh les gars, c'est Riser. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, désolé si j'ai ma veste. Je viens de rentrer chez moi là maintenant. Ah, désolé, là, je vais passer à la caméra, je vais retirer ma veste. Hop, je vais essayer. Donc, voilà. J'ai acheté du matos, bien évidemment. Donc là, désolé si je filme avec mon bisel, parce que j'ai acheté juste l'écran et la tour, puis la souris. Hein. Et voilà, je mets juste la souris. Enfin, voilà, c'est le petit mot. Et voilà. Bref, en fait, cette vidéo, c'est une vidéo, comme vous l'avez dit sur le titre, le top 5 des 24 challenges. Donc, c'est pas moi qui a bien évidemment trouvé, c'est un youtubeur qui l'a fait. Et moi, j'ai regardé cette vidéo car pourquoi pas, je tenterai un 24 challenge sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui aiment ce 24 challenge, vous allez bombarder de likes. Et commentez aussi, ça fera toujours très plaisir à Ryan. Hein. Voilà. Et on va pas perdre de temps pour ce Minecraft Challenge, pour ce top 5. C'est parti. Juste maintenant. Alors, je vais dire les avis hein, à chaque Minecraft Challenge. Ok. Oulala, oh, bon, bref, ici ça finit. Donc voilà. A chaque Minecraft Challenge, je vais juger et sur une note, bien évidemment, sur 10. Allez, c'est parti. Donc, désolé, il n'y a pas de son. Donc là, c'est l'équipe du Portugal et bien évidemment, c'est de Minecraft Challenge du football. Voilà. Alors voilà, il y a un joueur qui s'est lancé, les autres mecs qui sont sous l'eau. Je rigole, le truc qui se casse. Alors, voilà, il y a des petits bons détails. Hein. Bon, voilà. Franchement, il est bien joué. Bon ben voilà, bah déjà je vais le prochain c'est Juventus de Turin. Donc pour cette équipe de Portugal vainqueur de l'Euro 2016, je mettrai une note de 8 sur 10 car dans les vestiaires c'est un peu le bazar et je pense que ils pouvaient trouver beaucoup mieux à faire que rester tous assis en fait. Par exemple si c'est un cri de guerre, là ok, là on aurait dû voir, là je pouvais mettre 10 par exemple. Allez, là l'équipe de la Juventus au vestiaire. Pardon, au vestiaire. À la musculation. Voilà, et ben je mettrai pour ce celui-là, il était très très court, donc je vais mettre la 7. Franchement, c'était court. Et donc voilà, on se retrouve avec l'équipe de l'Espagne. Voilà, voilà, vive l'Espagne. Oh là là, alors là, vous allez rigoler. Non mais c'est cool ces trucs de... Je remets en arrière et je me mettrai en pause. Je vous décale juste un petit peu en arrière. Attendez, je me mets en pause. Attention. Attention, ouais. Attention. 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 Hop. Et hop. Décalage un petit peu en arrière. Hop. Oh là, mais j'en ai marre un petit peu là. Attention, je me prépare. Je me prépare. Hein. Hop, hop.
Vous voyez là, juste à côté d'Espagne, du Spain, ben vous voyez deux pommes et une banane. Je pense que c'est l'équipe de l'Espagne après avoir perdu contre l'Italie. Hein. Ils se sont pris une branlette. Tu veux la mité et une branlette? Non, j'arrête, j'arrête. Voilà. Ah, ça c'est bien fait, hein. C'est très très bien fait. Ouais, si, c'est très très bien, très 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 bien fait. Elle dure un peu longtemps, hein. Voilà. Alors là, on va passer au PSG comme vous voyez. Attends, mais dernière fois, hein. Et juste en bas en dessous, hein. Alors pour l'équipe de l'Espagne, je vais mettre une note de 9 sur 10 car il était extrêmement bien. On a bien vu les détails, on a bien vu la durée, elle a bien duré longtemps et on a bien vu la position stable, les personnes qui voulaient pas se prendre une piqûre pour se soigner. Donc voilà, c'était un très très bon mannequin challenge. Challenge. Un challenge. Donc là, on est à la boutique du Paris Saint-Germain. Hein. Du coup, vous le voyez, hein, beaucoup de maillots. Voilà. Là, ils font la queue en faisant un mannequin challenge, mais pour moi, il y a des personnes qui bougent. Voilà, une rencontre avec les joueurs du PSG. Alors là, je vois qu'il n'y a personne qui bouge. Personne, je pense. Bon, voilà. Nickel, celui-là, c'est le top du top. Là, attendez. Je pense qu'il a bougé. Je remets vite en arrière. Je vous jure, je pense qu'il a bougé. On est déjà à 7 minutes 35 de vidéo. Hein. Je pense que vous voyez. Attention. Ah ouais, il a bougé la tête. Ah, donc voilà. Bref, donc pour ce mannequin challenge, je mettrai une note de... Nan. Franchement, le gars qui a bougé avec sa tête, je mettrai une note de 8. Alors là, celui-là, c'est l'Angleterre qui joue en plein match. Donc voilà, une tête plongeante de Jamie Vardy. Et hop, mannequin challenge. Et donc, voilà. Donc, comme c'était lui seul, ben, je mettrai... Non, on va voir le ralenti, pourquoi pas. On va voir le petit ralenti, je pense. Parce qu'ils mettent les ralentis. Ah ouais, toute l'équipe. Alors, pour moi, je mettrai la note de 7 parce qu'ils s'attendaient pas du tout à ça. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, tu peux liker, commenter, partager et t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je te dis ciao pour de nouvelles vidéos. Bien évidemment, je vais essayer de faire mon maximum pour avoir le max d'abos et rester un peu positif pour pas essayer de tenter des trucs comme si j'avais des 1 million d'abonnés et tout. Donc ça se peut, de temps en temps, je ferai des courts-métrages tout courts, des FAQ courtes, plein de choses courtes en fait. Donc voilà, allez, c'était Riser. Peace!